Bonsoir YouTube. Nous continuons Astrobat. Alors lui on l'a déjà fait. Lui... Ah oui c'est par rapport au challenge. Alors est-ce que tu es inspiré? Est-ce que tu es inspiré ou pas tant que ça? C'est un petit peu à double tranchant. Moi j'aime bien ce genre de thème parce que du coup l'avantage c'est que c'est beaucoup plus ouvert. Waouh, c'est beau. Ouf. Vous savez qu'au début avec la manette, une sorte de mini-jeu dans le jeu. Ah merde, peut-être que j'aurais pu récupérer les trucs là au passage. C'est plus vague, mais je trouve ça bien. Parce que les thèmes précédents, tu vois, souvent c'était genre... je sais pas, Halloween, sport, des trucs comme ça. Et du coup, effectivement, sport, on sait que 95% des créations, ça va être une représentation d'un sport. Là, ça peut être des trucs totalement variés. Donc je pense que ça va être trop cool. J'ai tard de voir un petit peu ce que les gens font. C'est un jackpot poulet. Ouais voilà, parfait. Ah d'abord. Avec ce genre d'item par contre, il va y avoir des... c'est vraiment stylé ce sable. La DA est vraiment chouette. Alors je le dis à chaque fois, mais... c'est quand même fou. Merde, 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 merde. Mais arrêtez. Même les musiques, elles sont vraiment chouettes. Donc tu as des petites pistes. Bon, c'est quand même ça. Non, ce qui est cool, c'est que ça vous... ça oblige aussi à... Mince. Attends, mais comment il faut les fumer, eux? Ça vous oblige à avoir une réflexion supplémentaire plutôt qu'un sujet trop évident, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça intéressant. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir un truc ici. Comment on fume ça là? Oh putain, oh, ce passage il va me faire chier par contre. Ça y est, ça commence, ça commence. C'est quand même beaucoup plus chill que... Black Myth Wukong auquel on a joué hier, où on était vraiment en mode full tryhard. C'est un peu fort quand même le son. Tac. Comment je fais pour fumer ça là? Waouh, comment je peux tuer ça? Peut-être pas. Ça me paraît bizarre en fait. Ok, pas mal. Ça me paraît bizarre qu'il y ait des mobs qu'on puisse pas éliminer. Ah, il y a un truc dedans là. Et voilà, parfait. Oh, attends, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, avec des jetpacks comme ça, ça ouvre le potentiel du level de ouf. Parce qu'il y a plein d'endroits auxquels tu peux pas aller habituellement, et grâce au jetpack, tu peux t'y rendre. T'avais déjà participé à des challenges, Epidemio? C'est ton premier. Après collision, vous pouvez faire des trucs de destruction, des trucs de soft body, des... Il y a plein de petits trucs quoi. Attendez, je... Ok. Très stylé ça aussi. Très très stylé. Truc là? Non.
propre. Ah, toujours les petits éclairages dynamiques quand on enchaîne des endroits. C'est pas mal ça aussi. Oh non! Bon, ça va, le spawn est juste à côté. Il y a vraiment des idées super chouettes dans ce jeu. J'adore. C'est mon coup de cœur. La DA, les animations, la musique, le level design, tout est vraiment soigné, ça fait plaisir, c'est vraiment cool. Faut-il aller... Attendez, c'est là-haut ? Oh non ! Ok. C'est bon, on a le droit d'aller là. Attends, mais c'est impossible, je peux pas aller jusqu'à là-bas. Ah, y'a un truc là. Parfait. Je sens qu'il y a un truc caché derrière. Non, peut-être pas. Ah si, mais voilà. Alors, de toute façon, plus on va avancer dans le jeu, normalement, plus on va commencer à avoir des trucs éventuellement tendus. Hein. Ah. Putain, on en a loupé un. On a loupé un tout à l'heure, il y a peut-être des endroits que j'ai pas explorés. Après, comme je vous le disais, avec le problème du jetpack, c'est qu'il y a plein d'endroits à mon avis qui sont accessibles qu'avec ça. Et j'ai pas forcément le réflexe de tester tous les trucs. Oh ! Les particules. Eh, ça fait quelque chose si on enlève tout. Il peut pas y avoir un bot caché dessous quand même. Non, ce serait trop. Ce serait trop. Mince. Attendez, il y a deux passages. Ah, là-bas je vois un bot. Oh non! Putain, je la voyais pas là, la plateforme. Oh, on doit tout refaire. Lui, il m'a eu sur son pattern. En fait, c'est 1, 2, et il repart là-bas. 1, 2... Ok.
Eh bien. Ah, ça c'est Journey. Trop bien le jeu. Il y a plein de, c'est plein de petits trèfles au licence Sony. Putain, la gueule du serpent, what the fuck. Il est aigri, hein. On voit qu'il est énervé. Est-ce que vous pensez que je peux traverser en one shot? La réponse est non. La réponse est non, mais c'est pas grave. On a eu le... On a eu le truc. Il y a un truc au milieu. Ah voilà, ça me paraissait bizarre aussi qu'il n'y a rien ici. Salut Alice. Je te spoil le jeu. Aïe aïe aïe. Pas bien ça, pas bien. Alors ça c'est quoi déjà? C'est très bien, c'est très bien. Ça va, tu t'étouffes plus? Attends, ça on n'a pas compris, on n'a pas compris. On n'a pas compris comment on les tue, on fuit. Mais à chaque fois j'ai envie de tout envoyer là. Oh putain! Ah! Il y a un secret dessous, il y a un secret. Attends, et dans l'autre sens. C'est beau, le jeu est beau. Magnifique. Quoi? Il y a des picots là. Bah. Ah d'accord. Nouvelle mécanique, on peut faire tourner les plateformes. Et lui, on n'a pas compris comment on le tue, bordel. C'est quoi ça? Est-ce que ça va vider la piscine? Parfait, magnifique. Les canards! Ils ont pété un câble sur les... sur ces éléments-là à chaque fois. Oh, lui, je pense qu'on peut même le one... Ah, d'accord. C'était un... Putain, on en a loupé plein, non? Attendez, attendez. Il y a peut-être qu'ils sont encore cachés, là. Il me semble qu'on en a loupé plein. C'est bien joli, tout ça, mais... Mince, ça mange pas. Ok, bon, on s'est loupé le super bonus. Tant pis. Tant pis, de toute façon, on l'a jamais. Nous ne l'avons jamais. C'est vraiment le jeu feel good. Hein. C'est le jeu feel good. Salut Alexandra, ça va? Ah non, il en faut 100. On est à 96. Salut Kinsei. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent. Attendez, mais là j'ai l'impression qu'on en a loupé plein. On va retourner sur le... Peut-être que dans la planète de base, il y a des trucs qu'on n'a pas... Attends, on a fait que 29 là, mais attends, c'est pas possible. On a fait que la moitié des planètes, non? Ça on a fait, ça on a fait, ça je me souviens on a fait, ça on a fait. Et lui là-bas?
Ah putain, on peut même récupérer des trucs là. Attends, mais... Ravage rétro... Attends, mais il y a même des mini-planètes comme ça. Mais il y a des easter eggs de cachés de partout. Ça va très bien, merci. J'ai l'impression qu'il y a des easter eggs dans le jeu. Oh, mais j'adore cette musique. J'adore. J'adore. Attendez, mais il est trop bien ce niveau. Regardez tous les cubes. Ce niveau est trop bien. Super. Nice. Le bonus. Comment ça va, Redki? Ah là là, il ne loupe jamais les lives, celui-ci. Hein. On essaie de l'avoir, mais... Il loupe jamais, il loupe jamais. Que voulez-vous? Allez, ces particules, si elles ne sont pas magnifiques. Attends, c'est quoi tout ça, là? J'ai l'impression qu'il y a des mini-jeux dans les... Mais regardez ça, il y a des mini-jeux! Je savais pas qu'il y avait tout ça, là. Redki, attends, 15 visionnages. C'est tout juste correct. Ça commence à être honorable, mais c'est pas non plus... Ah! Faut les faire tomber. Ah non? Attends, faut pas les faire tomber? Ah si, voilà. Et là aussi, c'est ultra original, c'est trop bien. Regardez ça. C'est pas le bruit de Zelda? Papapam. Bot sauvé. Golfer Pro est toujours au fond du trou. C'est honorable, sans plus. Putain, mais faut que je passe toutes les galaxies, il y a des petits easter eggs comme ça, c'est trop bien. Il y a un jeu dans le jeu, c'est fou. Putain, on commence à voir notre planète. Genre là-bas, pareil, c'est quoi ça? C'est ici le jeu top 2. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai vu que la cérémonie... Ah, la cérémonie du GOTY, c'est à 2h du mat. Donc bon, on la regardera pas en live. Si vous voulez, le lendemain on fera le react. Faudra pas spoil. On se spoilera pas. Oh non, le triangle perdu. Pauvre triangle. C'est quand? Impossible. De quoi impossible? Si si. Ah, impossible de passer à spoil. Sinon le lendemain je pose ma journée et à 6h du mat on lance le live. Ouais, ça va être compliqué de passer spoil. Non mais juste pour le react, parce que je sais pas ce qui va être annoncé dans le... Attends, mais... Ça servait à quoi là ce truc? C'est très joli mais... Ça m'a rien fait gagner. Il faut ramasser les triangles, c'est ça? Six sauteuses. Ah, ça a mis plein de triangles. Putain, c'est fabuleux. Il y a quoi le soir? Alors le 8 décembre il me semble, si j'ai pas de bêtises. Il y a le... Ce que j'ai mis dans le titre, le GOTY, c'est Game of the Year. En gros c'est une cérémonie qui élit le meilleur jeu de l'année. Et le jeu auquel nous sommes en train de jouer sera forcément de la partie. Mais le problème c'est qu'il sera en concurrence avec des jeux comme Black Myth Wukong, jeu qu'on a joué hier soir, qui est très apprécié par les gens. Oh putain, attendez, ça commence à pas rigoler là. Ça commence à déconner zéro les niveaux. Ah d'accord, on peut pas sauter par dessus, non mais autant pour moi, my bad. C'est très joli, respect. De quoi? Attends, de quoi? J'ai pas dit que c'était pas joli ici.
Ah non, mais quand j'ai dit honorable, je parlais pas du jeu, je parlais de Red Key. Non, vous inquiétez pas. Le jeu est magnifique, hein. Je l'ai dit depuis le début. Enfin, j'ai pas compris. L'animation des 31. Ah mais non, mais j'ai pas dit que l'animation était mal faite. Je te dis que j'étais déçu de pas avoir de bottes à la fin du niveau. Ce jeu, ça sert à rien. Non, ça sert à rien parce que du coup le niveau m'a pas donné de trucs pour avancer dans le jeu. Non, non, je me permettrai pas, le jeu est magnifique. Vraiment, le jeu est vraiment magnifique en plus. Ah, ça c'est RPD, c'est dans Pas dit rien. Resident Evil. On parle de Resident Evil et qui c'est qui arrive? Ryuken! Ryuken qui était là, qui était né quand les premiers Resident Evil sont sortis, c'est quand même fou. Comment ça va Ryuken? L'homme au grand âge. Ryuken, il faut que tu fasses ce jeu, il faut que tu achètes une PS5 Pro. Non, je rigole. Pas une Pro. Ça va très bien, merci. Oh, le tatou. Ah, mais on dirait... Ball, je sais pas quoi, là. Le vieux jeu. Comment il s'appelle, ce jeu? Ah, il y a un bumper. Merde. Donne-moi ça une. Bon, qu'est-ce que ça vaut ce jeu? Oh non! Vous avez vu ce qu'on peut faire? Avec carré là, on peut. On peut balancer le truc. Putain, j'ai glissé! Oh non, pas comme hier sur Black Myth! J'ai revu ton clip Red Key, je me suis pissé dessus encore. Et là, je bouffe. Ça me fume. En plus, c'est un vrai truc, c'est un vrai fact. C'est même pas une blague que je vous ai raconté. C'est vraiment... Ça m'arrive vraiment régulièrement. Le gameplay est trop cool là aussi. Waouh. Trop cool mais compliqué. Bah quoi? Oh putain, je sens que ce niveau va être tendu. Le jeu. Et je bouffe. Il sort demain, ce clip. Sur ta plateforme préférée. Oh putain, j'ai cru qu'on pouvait l'écraser. Sur ta plateforme préférée, Red Key. Bon, t'as toujours pas acheté de skin Oli, là je suis un petit peu déçu par contre. Hein. Pour quelqu'un qui collectionne des skins, t'as des skins physiques de gourdes et même pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Le code envoyé par mail par Disney+. Pam 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 pam. C'est un monument de carte bleue pour ceux qui C'est faux. Bon, le speedrun. Oh my god. Ah. Non, il y a les picots. J'ai presque envie de speedrun le truc. J'ai une question pour le challenge. Est-ce que l'emploi de RDLab est autorisé? C'est quoi RDLab déjà? C'est un plugin de modélisation? Non, c'est pas pour le Art Surface où j'ai rêvé. Ce niveau est trop bien, j'ai pas envie qu'il s'arrête en fait. Du coup, je me force un petit peu à fail.
Ah, plus on laisse enfoncer croix, plus ça saute. Ok, ça c'est bon, ça va. Vous en voulez encore? C'est pour les fractures et les déformations d'impact. Oui. C'est un peu Gilman. Non, oui, vas-y. C'est pas... En fait, c'est ce que je dis dans la vidéo. Même, tu vois, c'est très gentil de demander parce que t'aurais pu faire le truc et sans savoir. La merde. Sans savoir, tu vois, on peut même pas deviner que c'est fait avec Blender. C'est pas. En fait, le but du challenge, c'est que vous améliorez sur Blender vu que c'est le truc de la chaîne, quoi. Mais s'il y en a qui veulent le faire sur un autre logiciel, en vrai, c'est juste que je regarderai pas parce qu'il y a pas de. Je peux pas vous donner des conseils d'amélioration du Blender si c'est pas sur Blender, tout simplement. Mais en soi c'est pour vous, hein. C'est pour vous, hein. Si vous améliorez sur Blender, utilisez du Blender. Et du coup, si toi t'as l'habitude d'utiliser RD Lab et que ça te fait plaisir de l'utiliser pour te faire la main dessus, oui, y a pas de soucis. C'est pas en train d'apprendre. Ah bah voilà, parfait. Si en plus tu peux l'apprendre. Un petit Disney Plus gratuit. Merci, il est sympa ce streamer quand même. Et il nous file des petits abonnements Disney Plus comme ça. Il a le cœur sur la main. Hein. C'est pas évident cette partie là, ça paraît pas mais... Oh putain, j'ai loupé la grosse pièce. Yaaaaaah. Bon, les vibrations de zinzin. C'est qui celui-là? Bot sauvé, ombre adorable, souvent dans le brouillard. Je n'ai pas la rêve de cette merde. Quelqu'un là, on dirait oui là. Ryuken. Quand même. Bon, faut qu'on se refasse du 1-20 Ryuken là. Ça manque aux gens, hein. Non, en vrai, ça avait assez plu les 1v1. Moi, je trouve ça marrant. Donc, Ryuken, faut qu'on se trouve un jeu 1v1. C'est du small boy ici, comment vas-tu? Comment ça va? Alors, c'est quoi ça? Ok, super. On arrive, bam, one shot. On m'a laissé peser. Oh! Et est-ce que la découpe en fonction de l'axe? Oh, pas mal. Et mine de rien, ça devient un peu plus tendu. Ça devient un peu plus tendu, hein. Ah! Merde. Ça devient tendu, pourquoi? Parce que regardez, d'où on repart. Salut Squadron! Ce qui est pas très drôle, c'est ce que je gagne tout le temps. Non, sauf sur les vrais jeux. Quand on avait joué à Trackmania, tu t'es fait la télé gueule. Quand on avait joué à des FPS, tu t'es fait... Tu as un écran 4K pour... Non, là je joue sur un écran 2K. Ben en fait oui, t'as raison, je suis con parce que j'ai l'écran 4K à côté, je pourrais jouer dessus. Mais j'aime bien avoir le... Ouah. J'ai le chat et le retour du stream sur l'écran 4K. Habitué comme ça, mais oui, je pourrais jouer
Ça, c'est vrai que je suis bête. Je sais pas où elles sont les entrées vidéo là sur. Je pourrais jouer sur l'écran 4K, mais je serais sur le côté, je serais comme ça. Non, c'est pas pratique, j'ai le micro et tout. Non, du coup, j'ai l'écran en face, c'est le 2K144. Là, j'ai le 4K sur lequel je fais de la 3D. Ou là, l'avantage, c'est que j'ai tout mon. Faudrait que je vous montre un jour les backstage. Pour voir à quoi ça ressemble, mais il y a tous les balances de son, toutes les scènes, toutes les sources, les statistiques du stream, les images encodées, les images perdues, les débits. Il y a le chat, il y a les bans, il y a les. Les bans, ça c'est pour Ayukan. Mais du coup, c'est pas mal. Il y a même des streamers qui ont 3 écrans. Bon, après, là, c'est le niveau du dessus. Et ils en ont un que pour le chat, un pour le retour du stream. Bon, bref. Donc moi je suis habitué comme ça. Oh, oh le salaud. Mais attendez, mais il est ultra compliqué ce ce niveau par contre, on en parle ou Bon c'est pas. On n'est pas sur du Black Myth Wukong. Mais soit, quand même. Des fois on se fait peur hein. Ok. Give me that. Bah t'as trouvé. C'est l'aide moto, poil là sur. J'ai envie de jouer à un jeu, j'ai vu la vidéo de Cheshune là sur ça me revenir, un jeu de zombies sur une exclu PlayStation, Days Gone. Il a l'air exceptionnellement bien. Il faudra qu'on se le fasse, je pense. Mais bien sûr, si tu te rappelles sur Splitgate, tu as pris un 20-0. Moi, pas de preuve. Moi, je crois que ce que je vois. Sur les VOD, effectivement, on voit que sur les Sims, j'ai perdu. Là, oui, c'est vrai. Mais après, il n'y a pas les VOD, Ryuken. Donc, malheureusement, pas de preuve. Pas de fait. J'ai envie de dire. Ça va très bien, merci. L'autre jour, je t'ai demandé. Tu pourras m'envoyer ton logo, le MSTP en PDF ou JP. Tu m'as demandé ça? J'ai jamais. Oui, si tu veux, pourquoi tu veux faire quoi? Mais oui, bien sûr, je pourrais te l'envoyer. Mais tu me fais peur, merde. Les guns est incroyable, c'est vrai. Oh putain, enfin un jeu où tu dis du bien. Ouais, aïe aïe, mais attends, c'est trop compliqué. Mais tu regardes jamais quand j'écris, donc tu l'as pas vu. Ouais, je pense que c'est ça. Attends, c'était sur quel stream? Si c'était sur le stream 3D, oui, c'est. Il y a de grandes chances que ce soit passé. Hop! Pouah, 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 pouah! Salut, T-Punch! Comment vas-tu? Mais c'était pas prévu que ça casse comme ça. Ok. Tu avais commencé Days Gone, je suis pratiquement sûr à 80. Le problème c'est que vu que je commence plein de jeux que je ne finis pas, je sais plus ce que je sais plus ce que j'ai fait. C'est pour ça les VOD en vrai, personne ne les regarde. Enfin très peu de monde regarde les VOD, les redis. Mais moi ça, c'est tout con hein, mais ça me permet vraiment d'avoir une historique, j'adore. Comme ça je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Je vois vraiment ça en mode c'est le c'est l'archive de la chaîne Twitch. Oh là là, regarde-moi comment c'est beau! Magnifique. Donc peut-être que j'avais commencé Daigon, pareil, pas de preuve, pas de. Il y avait un stream Nvidia. Il y avait un stream Nvidia, ils ont annoncé les 5000.
Ça va, T-Punch? On est à 101. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut aller sur l'autre planète. On a dû débloquer la dernière ici. Mais peut-être que j'avais commencé Days Gone, hein, je ne sais pas. Si tu t'en souviens, c'est que c'est assez récent quand même. Non, ça commence à faire un bail que t'es là, Raviken. Est-ce que t'as l'imote avec le plus de... Est-ce que c'est le dernier que t'as? C'est lequel celui-là? Abonné depuis 45 mois, badge 3 ans et demi. 45 mois. 3 ans et demi. Tu te rends compte, Raviken? 3 ans et demi. Un quart de ma vie. Non. Mais c'est ouf, 3 ans et demi, ça passe vite. Ça passe vite, 3 ans et demi. J'ai commencé les streams en 2019, je crois. 2020. Non, 2019. 2019. Après 2019, mais de 2019 à milieu 2020, il y avait zéro viewer. Mais vraiment. Il y avait vraiment, quand je regardais les stats, à la fin, il y a marqué zéro chabot. Bon, je me suis amusé, c'est quand même cool. Ça prend du temps, hein, Twitch. Hein. Next Gen 2 for 3D developers. Oh, trop bien. Il y a une vibe Mario Galaxy. Exactement. Mais t'avais pas le premier à le dire. Moi, j'ai jamais joué au Mario Galaxy, mais il y en a plein qui l'ont dit. Donc, je suppose que qu'il y a un vrai truc Mario Galaxy. Oh non. Mais dites pas qu'il y a une énigme. Ça va, ça va. On a connu pire, on a connu pire. Comme une... Yes, le super poulet. C'est l'homme poulet. Vous avez la ref. Vous avez la ref de l'homme poulet, j'espère. J'ai pratiquement connu bébé. Sans savoir donc. Toujours plus. Non mais je crois que t'es le... Avec Tourista, vous êtes les plus vieux abonnés. Les plus vieux, pas un âge dans la vie, hein. T'as compris, hein. Les plus vieux en termes de... les plus anciens, quoi, sur la chaîne. Mais il y a le classement, il y a le classement en bas avec les dates et tout, faudrait que je regarde. J'adore regarder les stats. Oh putain, ça tombe au fur et à mesure. Ce qui signifie que la chaîne YouTube va bientôt fêter ses 4 ans aussi. La chaîne 3D. Putain, si j'avais posté les VOD de stream depuis le début, ça aurait été trop bien aussi. Qu'est-ce que c'est ça? J'adore les musiques de boss, j'adore tout dans ce jeu. Je vous le mets à fond. Je le mets à fond parce que... Ok, j'aurais dû faire un petit R2 là. Hop là! Eh, Jean-Marie aussi, ouais. Un ancien. Oh non, la zone 2 juste réduit. Ah, mais ça, on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps de sauter quand il y a ça.
Ah, ce poste de zinzin. Black Myth Wukong. Allez, ça dégage. Non mais c'est trop stylé, regardez-moi ça. Mais dites pas qu'on recommence toute la phase. Oh, oh non, c'est des bâtards. Ils font tout recommencer. Je boss final de Black Myth, toujours pas réussir là. Ah ouais. Ah putain, il me tente pas en vrai. Le boss final, il me tente pas à mon avis, je vais m'arracher la, je vais m'arracher la tête. Ah non, je peux pas perdre une vie comme ça. Attendez. Recommencer. Je peux pas perdre une vie comme ça. Ah non, recommencer, ça m'amène là. Bon ben on le saura. On le saura. Je vais juste recommencer le boss final mais... apparemment c'est trop demandé. Ah non, on peut le speedrun, on peut le speedrun. N'empêche, c'est trop bien de speedrun ce jeu. Et voilà, nous y sommes. Allez, let's go. J'adore la musique, j'adore la musique. C'est du génie, c'est du génie. Qu'oubliez-vous que je vous dise. Ok, c'est pas mal ça. J'ai pas sauté. J'ai pas sauté, j'ai été con. N'en voulez pas. Oh non, je peux pas perdre sur ce move. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. J'ai entendu un knock-knock là ou j'ai rêvé? Ryuken, t'as fait un knock-knock! Oh non, 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 je l'ai pas pris! Non! Attendez, Discord, 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 Discord! Je sais pas si c'est vos alertes ou si, je sais pas si c'est les gens qui m'envoient des messages, des vrais messages. Non, je pense que c'est vos alertes à la con, là, putain, vous faites chier.
Ouais, c'est pas faux, ouais. Ce boss a pas l'air facile, hein. Alors là, faut... Tac. J'avais oublié ce truc. Bam bam. Oh non. Bam 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 bam. Ça vous plaît ça, hein? Les trucs qui foutent le bordel là. Ah putain, on l'entend pas. Oh non, je perds une vie sur ça là. Ah, des fois c'est un peu l'arnaque, hein. C'est fort, c'est fort, c'est très très fort. Bam. Et là, toujours plus. Là, je sais pas si c'est un timing à respecter ou si c'est... Mais non, genre là, j'ai sauté, quoi. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh yeah. Merci pour ce coffre. Un bot dedans. C'est Uncharted. Il y a le flingue comme ça, Uncharted. Je me souviens plus. C'est beau, comment ça te... Deux points. Il a changé il a changé le prix, ce salaud. Pour l'instant, t'es mauvais, quoi. Voilà, c'est vrai que j'aurais pas dû. Les cheat codes. Tu peux te faire un truc que pour toi, t'imagines. Tu le mets à 2, puis après tu le mets à 2 milliards. Stylé ça. La chance que j'ai... T'imagines? C'est les privilèges d'être modérateur. Depuis 3... Ouais, ça fait longtemps plus que t'es modérateur. Pas depuis tout début, mais quasiment, hein, il me semble. Yeah, you. Je suis sous-payé en plus. Non, faut bien quelque chose. C'est vrai. T'es surpayé même. J'avais le VIP, t'as plus le VIP? Si, je crois que t'es toujours VIP mais que tu l'as pas affiché. Non? Ah bah d'accord. Ah bah c'est un shoot them up en fait. Allez ça. Bon, la cadence, si on utilisait deux gâchettes. Attendez, attendez, le jeu veut qu'on aille par là. Mais que se cache-t-il de ce côté? Il y a des secrets là, c'est sûr. Yeah.
Bélébélé. À nous deux. Il y a 15 matchs différents sur le stream, sérieux? Ah mais oui, parce que t'as les trucs des années, t'as le truc de... Oui, t'as un truc de zinzin, toi t'as tout, je crois. T'as les trucs des donations, t'as les trucs des beats, t'as les trucs des gifts. Subgift, t'as tout. Après, si t'étais pas aussi généreux, les badges seraient pas généreux en retour. Tu as tout fait, Arikan, tu as tout fait. Oh putain, on a mis ça là-bas. Si t'étais pas si richissime. C'est comme des skins en fin de compte. Mais c'est des skins de chat. C'est que pour ça qu'il s'abonne Redkey. C'est juste pour avoir son skin de chat. Il me l'a dit, hein. Putain, quel con, j'ai pas réfléchi là. C'est t'as raison, c'est exactement comme des skins. Et pas mal ce niveau. Le jeu, je pense que tu adores Raviken. Honnêtement, si j'étais toi, franchement, hein. Ce serait un petit investissement là. T'avais beaucoup. Ah oui, attends, le 1 c'était sur quoi? C'était sur PS4? Putain, mais t'avais quoi? C'est le PSVR que t'as toi? Parce que je pense à ça, il me semble que t'as pas le PSVR. Tu faisais de la VR sur Play sans PSVR? Ah, t'es le PSVR, ok. Ah, j'ai fait juste ton frère, ok. Il rappelle des souvenirs. Attends, de quoi tu parles? De ce jeu là? T'es fan de Uncharted, Kinsey? C'est nouveau? Ah ouais? Y'a des vrais refs. J'avais fait que le 2, je crois. Ou le 3, Nathan Fortune, me semble que c'était. La voiture est emblématique. Y'a des licences quand même cool chez Sony. Hein. Dommage là qu'ils nous aient fait n'importe quoi sur la PS5 Pro là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. À quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée. Qui a validé ça, mais... Je vois pas comment en réunion ils se sont dit, les gars, est-ce qu'on ferait pas une PS5 Pro sans lecteur? Avec un prix exorbitant. Mais je pense que ça peut marcher. Non les gars. C'est la console la plus chère jamais faite quoi. Ouf. Bientôt sans manette, c'est ça? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de socle vendu non plus. Ils mettent en petit en bas horizontal, vertical truc, celle separately. T'as bon, les gars, faut arrêter. Et pourtant, j'adore Sony. Hein. J'ai toujours eu les consoles Sony, mais bon, là, force est de constater que. Y en a qui va de mauvaise foi. Les pros Sony à 100%, ils sont. Non, mais tu comprends. C'est la meilleure console jamais créée, c'est normal, il faut qu'ils se retrouvent. Là, la stratégie est pas bonne. La stratégie est vraiment pas bonne, je trouve. Je suis pas le seul à le dire. Je croyais qu'il fallait l'allumer. Oh non, faut réfléchir. Ah ok, 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 I got it. Sans manette, ce serait vraiment la folie. Pas de lecteur CD. Pas de câble HDMI. Je te demande rien en fait.
C'est ce que j'ai envie de faire là. Ah, le truc des vibrations. Les œufs sacrés. Je suis ici. On en a loupé quand même, hein. On a loupé deux alors que j'ai l'impression qu'on a fait toutes les qu'on a tout parcouru sur le niveau, c'est ouf. C'est fou, il doit y avoir des petits secrets, des petits easter eggs, des petits passages, des petits passage qu'on n'a pas vu. Oh, très stylé ça aussi. Oh non, il ne sait pas nager. J'avais oublié qu'il ne savait pas nager. Non mais ça c'est comme dans c'est pas des Indiana Jones qui a ça là. Oh non, le pauvre. C'est quoi, c'est la carte graphique? Attends. Et il a de face des gameplays différentes, c'est trop bien. Dans Black Myth Wukong, il y a ça aussi? Je l'ai pas vu encore, je crois. Ça me dit rien. Pam 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 pam. Ah, Don't Chartel aussi. Ah, c'est vrai que ça y est dans Crash Bandicoot et tout, c'est un petit peu partout. Parfait, on finit le niveau pile pour 22h. C'est la fin de la VOD. Et on va continuer le stream tranquillou. Tac. C'est chouette ce niveau. On arrive sur des niveaux un peu plus longs, un peu plus complexes quand même. Mais c'est stylé. C'est très stylé. Et voici, je sais pas ce que c'est comme pièce de la PlayStation qu'on a ramené, parce que le but c'est de reconstruire la Play. Le vaisseau mère. Ah, à chaque fois il y a une nouvelle mécanique de gameplay. Ah, faut souffler. C'est magnifique. Ciao tu punch, bonne soirée. Ciao ciao. Et bon courage pour les boss de Wukong si tu retentes. C'est génial ce jeu, est génial. Franchement, moi si j'étais à la place de Ryuken, je le testerais quoi.
Wow, it's a CPU, GPU, je sais pas. Ah, ça donne le CPU. Tac. Pour la carte graphique, ça peut être en aide. Processeur particulier. Regardez-moi tout ça. Oh, maman, 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 maman. 107 bots. C'est stylé. Très très propre. Oh non. Une météorite. Ok, on a débloqué une nouvelle partie de cette map là. YouTube, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Parce que je considère que vous allez regarder les vidéos d'après aussi. À la prochaine, ciao.